Bienvenue à tous sur le podcast de Nori and the UFC. Aujourd'hui, en ce vendredi 6 novembre, je vais vous parler d'un combattant, un Français. Alors, c'est le troisième Français actif en UFC. Il s'entraîne au CrossFight. Il a une carte de 10-1 et il est parti pour une troisième victoire en UFC puisqu'il combat dans quelques jours là. Donc, je parle bien sûr de Taylor Lapillus, surnommé Double Impact. Il a une carte de 10-1. Donc, pour ceux qui le connaissent peut-être pas, donc je parle surtout des Québécois, je vais vous montrer. Voilà, c'est lui. Voilà, ce jeune homme ici. Donc, c'est vrai que. Voilà, il est très connu en France, ça devient un phénomène, tout le monde en parle, il y a des articles, il y a plein de sujets, vidéos, interviews, plein de trucs, mais je vais vous parler de lui peut-être d'une autre façon, en tout cas, et donc bien sûr grâce à lui évidemment, sa collaboration, parce qu'il m'a aidé un petit peu, hein. Donc c'est la première fois d'ailleurs que je fais un podcast directement en collaboration avec le sujet principal, c'est juste génial, donc je le remercie beaucoup pour ça. Alors, il est issu d'une famille de boxeurs, son père l'a initié hein, au plus jeune âge à la boxe, au noble art, donc aux grandes dames de sa mère qui s'est dit « mon Dieu, encore un autre qui va continuer là-dedans, au secours !» Et donc, ça a été une révélation pour Taylor à l'adolescence, puisque Il connaît Cheick Kongo depuis très longtemps, hein, c'est un familier, hein, c'est un proche en fait. Et il lui a fait découvrir les combats, enfin ses propres combats en fait. Donc il était très très jeune et il a eu comme un déclic de se dire « mais c'est génial ça, c'est super, j'adore, je veux savoir, je veux connaître et je veux découvrir. » Et justement, Taylor, c'est ça, il a un don naturel pour le combat. Déjà à l'école. Il aimait un petit peu la bagarre et les combats, donc c'est ça. Et son frère également, alors son frère Damien, il a 4 ans de plus que lui et il lui a fait découvrir, donc c'est un peu le précurseur, il lui a fait découvrir le grappling et le jiu-jitsu, donc ça il avait 18 ans, hein, il l'a vraiment attendu plus tard. Et c'est vrai que la boxe thaï et le MMA en général sont venus ben, un peu plus tard justement, ils voulaient compléter et être polyvalents. Et ils s'entraînent, d'ailleurs les deux frères s'entraînent ensemble au CrossFight. Donc le club se situe en région parisienne, hein, dans le 12e en fait, dans le 12e arrondissement de Paris. Et donc ils font l'effort hein, les deux d'aller jusque là-bas parce que c'est vrai qu'ils vivent pas à Paris, même ils vivent en Seine-et-Marne. Voilà, il a 23 ans, donc il est plein d'énergie, c'est ça. Il est imprévisible dans la cage, il est très mature, ça c'est les mots de son coach. Hein. Il a une bonne analyse du combat et il est capable... il a l'intelligence de déceler les faiblesses, de déceler vraiment le type de combattant qu'il a en face de lui, ça c'est un don qu'il a. Hein. Et ce qu'on ignore bien souvent d'ailleurs, je parle d'autre chose pour ça là, mais que il doit sectoriser sa vie, c'est ça. Surtout qu'on ignore sur lui et sur beaucoup de combattants, c'est que le MMA ne permet pas de vivre. Voilà. On ne peut pas vivre même en France. Ou même au Québec, c'est vrai que c'est compliqué, c'est difficile. Donc, il a pris une année sabbatique depuis qu'il a signé en UFC. Hein, et voilà, donc il a suivi, donc le frère et le père, le frère et le... Donc les frères, excusez, ont suivi les traces de leur père. Et donc, en étant... Ben, en ayant le goût du combat, mais aussi en ayant une formation de soudeur. Voilà, Taylor a une formation de soudeur. Et il en a fait son métier et ça a été compliqué parce que entre faire ce travail qui est extrêmement dur physiquement, très très dur et puis des horaires vraiment, ça fait des grosses journées et donc il devait aller s'entraîner, ça c'était compliqué. Et depuis qu'il a signé en UFC, il a dit bon moi j'arrête, je prends une année sabbatique, je vais m'entraîner, je vais m'occuper de ça et je vais laisser tomber un petit peu puis mettre ça entre parenthèses et m'occuper vraiment de ma carrière professionnelle. De combattants et c'est vrai que j'ai énormément d'admiration pour ces gars parce que c'est pas évident, c'est dur et il y en a un aussi qui s'entraîne avec lui, qu'on connaît, c'est Michael Lebou et c'est vrai que lui pareil, il a une formation, ben lui il est col blanc hein, donc c'est ce que j'ai appris ça en regardant des articles, en regardant des vidéos notamment dernièrement, il y avait eu un reportage enfin et c'est vrai que c'est ça, on ignore un petit peu ça et c'est vrai que j'ai vraiment d'admiration pour ces gens parce qu'ils ont tout donné, ils ont vraiment fait des gros sacrifices et ça a été très très dur et ça a été payant, c'est ça. Ils se sont accrochés, ils se sont battus, ils s'entraînent comme des fous, ils ont des vies
très très dur, c'est compliqué d'agencer tout ça. Et ben voilà, ils sont rentrés en UFC. Et donc, en seulement 5 ans, Taylor, il est passé des premiers entraînements à la UFC. 5 années seulement. Et c'est vrai que ça, c'est très rare. Il est très jeune. Et j'espère en tout cas que c'est un modèle à suivre pour les jeunes Français, je sais pas, qui rêvent d'une carrière. Ben, peut-être une fierté nationale aussi, hein, parce que c'est vrai que j'en entends beaucoup. Ils sont tellement, tellement fiers et tellement admiratifs aussi de sa carrière et ben, de lui, hein, parce que c'est vrai que. C'est vrai que c'est pas, ben, ça peut peut-être éveiller au moins des carrières, des idées, des rêves de jeunes, et c'est vrai que ça c'est génial et il en faut des comme lui, il faut plus de Taylor comme ça. En tout cas, j'avais vraiment envie de vous parler de lui, donc je le salue, je salue son frère Damien aussi et tous les pratiquants du CrossFit, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent et qui me laissent des commentaires, donc je vous embrasse tous. N'oubliez pas les amis de vous abonner à mon petit Twitter qui est juste là et abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, on est de plus en plus nombreux. Merde, c'est trop cool, je suis trop contente. Donc voilà, je vous laisse et à la semaine prochaine pour un prochain sujet. Bye bye.